Salut, c'est Maillard, nous allons découvrir désormais dans le serveur playtest de Dead by Daylight avec la vision du nouveau chapitre, eh bien le nouveau tueur, Caleb, le en français lance-mort, hein. Bon, on préfère un peu la version anglaise, mais en tout cas, ce personnage qui a un lance-harpon, nom de Dieu, avec ce gameplay incroyable qui me met des papillons dans des parties de mon corps que je ne vous décrirai pas, histoire de ne pas me faire bannir de l'internet, eh bien tout simplement, je dois dire que non seulement il a mon cœur, mais en plus de ça, c'est contrebalancé par le fait que ces perks, je les trouve, de mon avis, un peu useless, hein. Bon, c'est mon avis à moi, mais je vais quand même vous les décrire, hein, par professionnalisme de la profession. Eh bien, nous avons trois perks pour ce personnage qui a connu non seulement l'Ouest sauvage, mais en tant qu'Irlandais, qui a connu l'injustice et qui était non seulement bricoleur et qui a servi les intérêts de directeur de prison et qui a monté un gang d'Irlandais, qui a sévi dans les populations, qui s'est vengé de ceux qui l'avaient agressé, de ceux qui s'acharnaient sur lui, et eh bien qui a fait un pacte avec les brumes histoire de continuer à sévir jusqu'à la fin des temps. Donc nous avons ici trois perks, hein, pour le nouveau tueur. Nous avons le dispositif de l'homme mort, hein, qui permet de tout simplement, lorsque vous accrochez l'obsession, et eh bien si un survivant lâche son moteur pour venir l'aider, tout simplement l'entité referme son emprise sur ce moteur et l'empêche de le réparer. Nous avons un deuxième perk qui est celle de Bricolo. Hein. Bricolo, c'est une paire qui fait que quand survivant est touché deux fois, hein, pendant un laps de temps, qui n'est pas super fifou, super long, eh bien, s'il se met à réparer un moteur, eh bien, vous avez un signal venant de ce moteur. Et enfin, nous avons Châtiment. Châtiment, et c'est peut-être le plus intéressant et celui qui peut être combiné, de mon humble avis, avec Terrain Hanté. Eh bien, Châtiment, quand un survivant profane un totem, il est affublé tout simplement du statut inconscient, ce qui signifie qu'il ne voit plus rien autour de lui avec les auras et autres, donc ça dure quelques secondes suffisamment pour être agaçant. En tout cas, ça peut être combiné, ça, avec Euphorie de la chasse et Terrain Hanté, on peut avoir une utilisation des totems qui non seulement sont passifs, mais sont aussi actifs. Pour le reste et le gameplay du tueur, je vous laisse voir en pratique. C'est intéressant et son mori n'est pas moins délicieux. Parfait. Ok, c'est parti, mon. Et j'ai un serpent dans ma botte. Ok. Ah, c'est marrant le côté bizarre. Ok. Alors, qui sont là en face. Hein. Mon gars! Ok, il faut recharger volontairement. Na 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 na. Alors, qui c'est qui a un serpent dans la botte? Eh ben c'est toi. Mark, de darde. Ah ok, on peut pas casser là. Alors ça c'est bon, je vais peut-être récupérer l'autre. Intéressant. Bien. Les gars, ça va être un peu compliqué pour vous, j'ai l'impression. Ok, alors, comment ça se fait? Fais tomber là. Non, t'as pas fait tomber la palette. Ok.
Incroyable ça. Ok, une fois. Ok, c'est intéressant. Viens par là, viens à droite. Intéressant, très intéressant le gameplay. Vraiment, vraiment. Très, très intéressant. Alors, du coup, pour résumer, quand on appuie sur CTRL, il ne faut pas rester appuyé sur CTRL. Hein. Il y a juste besoin de... d'appuyer une seule fois pour récupérer et pour recharger le harpon. Mec. Alors ça va du coup pas. Hein. Ok, on a un juste là. Ouais. C'est d'armes. Ok. Alors là j'ai marqué, donc je sais qu'il est en train de réparer celui-là. Là, je peux utiliser. Là je peux plus utiliser le tour d'aller jouer là-dessus, non? J'aurais voulu combiner ça. Hein. Combiner le tour et jouer là-dessus. Ok. Bon là ils sont en team, c'est très intéressant. J'aurais dû donner un coup simple. Alors, ça c'est parfait. Attention, popcorn. Oh, t'es parti aussi loin, mon gars? J'ai un serpent dans ma bouche. Ok. Alors ça, c'est pas mal. Ok. Yeah. Toi t'es bien le genre de la maison. Hein. Et bah alors? T'aimes pas ça le moonwalk? Comment ça se passe? Et bah alors, dis donc. Alors. Je te connais toi. Hein. T'es le gars avec la lampe, hein. C'est ça, hein. On se souvient plus trop. La la na 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 na. Alors... les deux sont là et l'autre est... Hein? Bon. L'autre doit devoir faire le tour. Eh bien alors? On en parle ou pas? Ne sortez pas par là. Eh non! Eh non! Ah, ça me plaît. Franchement, ça me plaît. J'aime beaucoup le... De manière générale, même. Oh. Mauvaise idée. Le gameplay externalisé, j'aime beaucoup. Intéressant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que... Bon bah... T'as un serpent dans ta botte. Bien.
Où êtes-vous? Du matériel à s'éclater. Moi, ouais, ça me plaît assez, hein. Tout ce qui est dégueu, moi, ça me parle, ça me rappelle vraiment les soirées débriefing avec modération. C'est très important, les contacts humains. Oh mon Dieu! C'est horrible à porter! Mais c'est horrible! Oh, mais c'est tellement... Oh Dieu! Non, mec, non, c'est un non négatif, hein. Mais c'est tellement horrible, la portée, là. Ah non, non, tente pas les 4%. Je sais que j'ai ton poteau qui est là. Ok, il a vu la trappe. Il a tellement vu la trappe. Bah ouais, mon gars. Bah t'as vu la trappe, tu sais que je sais que tu sais que je sais. Donc, comme tu sais et je sais, nous savons, la trappe va s'ouvrir, mon gars. Ça va être compliqué pour toi, je vais faire le Bouddha. Hein, bon. Bouddha! Et toi, t'es là, t'es pas loin. Ok. Moins qu'il soit parti là-bas, ouais, c'est bon. Ouais, il a peut-être une chance d'en sortir. Oh, bien joué! Il m'a vu, il a vu que j'ai vu. Il m'a contre-mind. Il a tellement bien géré. Oh non, ça aurait été marrant! Ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant, il m'a mindé. Ah, c'est parti, mon. La la la, na 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 na. Ok. Bon, les gars. En face. Non. Ah. Tous ces bruits de... Tu te rends compte que ça n'a pas de sens, hein? Ça, là, 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 là. Bien. Dis donc. Que voulez-vous faire? Oh, GG le veau. Alors? Bien. Non, non. Non, non. Ah, quelqu'un qui est là, hein, je le sais. Pas t'es juste derrière ou un truc dans ce goût-là. T'es où? Dis donc. Hein. Oh. Ça, c'est tellement pas très gentil pour Lightbox. Ah bah oui. Tu crois que je t'ai pas vu, toi, derrière, faire ton... Je la connais, le coup de blocage. Hein, en train de se dire, bah oui, mais alors, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah alors... Bah alors, quoi? Le petit, la petite tentative de brain. Quelqu'un par là? Ou quelqu'un juste là? Hein? La prochaine fois, tu y réfléchis? On en rediscute. Alors, toi, t'es là.
Ils sont partis par ici. Ouais, vous êtes restés par là. Ça fait tellement western, mon gars. J'aime bien, franchement. Franchement, j'ai pas quitté cet endroit de la map. Hein. J'ai pas du tout quitté cet endroit, c'est incroyable. Incroyable. Bon. Incroyable. Tentative, hein. Salut les loulous, bonjour. Alors ça c'est pour toi. Premier coup est censé être normal. Hein. Ah. Ah le coup du western. Oh. Il y a quand même une hitbox qui est quand même bien réduite. Hein. Ça me plaît, franchement, ça me plaît. Mais ça me plaît moins quand je rate. Mais ça me plaît quand même. Oh, c'est incroyable ça. C'est incroyable. Hein. Il y a un petit truc à prendre. Hein. Franchement, il y a un petit truc à prendre. Eh oh, oh, eh oh. Non, pas deux. Alors ça c'est bon. Donc la hitbox elle doit être très très ciblée. Hein. Côté poitrine. Ouais. Alors ça c'est bon. Ouais il est très cool le tueur. Ah c'est marrant que le... Non. Alors c'est un non hein. C'est très marrant que tirer avec le fusil quand tu rates hein, n'est pas considéré comme étant une attaque. C'est-à-dire que pour la Bloodlust, ça passe. Donc tu peux louper tant que tu veux des gens avec le tir. Ça ne compte pas. Salut, tu m'arrives. Salut à toi. Non. Non. Je voulais tenter le diable. Mais il y a vraiment un coup à prendre. Hein. Oui, tiens. Alors toi t'es là. Salut. Salut. Ah, il y a quelque chose, franchement, il y a quelque chose de jouissif lorsque on... lorsque... On atteint la personne, on touche la personne. Ah, il y a des accessoires qui vont avec. Hein. Alors ça, c'est bon. Deux. C'est assez violent. Ce qui rend le truc sympa finalement. Attention. Ah, attention. Franchement, il y a des trucs bien sympathiques. Hein. De bonnes réflexions à se faire en termes de combinaison de perks sur le personnage. Hein. Ah. Qui est où, quoi, comment, dans quelle position? Nous avons... Oh, ok, des paires qui sont quand même... Des paires, des moteurs qui sont assez éloignés les uns les autres. Tu peux casser les murs. Ouais, mais pas ici. Sur la map. Sur sa map à lui. Ouais, ça me plaît pas trop. Hein.
Oh, toi aussi, tu t'es fait mur bloc. Ouais, hein. Repasse. Ah. Et là. Alors si en plus il y a des... si en plus il y a des éléments qui blessent plus longtemps ou qui font des effets secondaires sur les... Ouais. Ouais. T'entends, j'ai mis un. T'es là. Alors. Mon gars. Ah non, 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 j'avais oublié. Petit détail. Viens faire, c'est ton moment, tu veux faire une photo? C'est ton moment, mon gars. Allez, photobombe! C'est du garnet, hein. Alors... Mon gars... Où est-ce que tu es? Bah tu vas prendre la trappe là. Oh. Non, pas entendu. Il a un déplacement normal. Hein. Oh. Qu'avons-nous là? Deux portes. Oh non, c'est horrible ça. Deux portes qui sont pas super proches, enfin qui sont plutôt proches les unes des autres, l'une de l'autre. Alors, où est-ce que tu es? Et quoi? Bon. Plutôt proches l'une de l'autre. C'est marrant les totems qui a. Oh mon gars, tu vas avoir le temps, hein. Salut, ça va? Tu veux qu'on joue à quoi? Hein? Bah ouais. Petit moonwalk. Le coup est parti tout seul. Ah, ok, j'ai besoin de m'entraîner. J'ai besoin de m'entraîner, petite câlinette. Ah, ok. En plus, t'es avec des vêtements blancs, quoi. Sans déconner. Incroyable. T'as fait quoi? T'es reparti là-dedans? Dans un placard? Est-ce que tu auras le temps? Ouais, t'as peut-être mal largement le temps en fait d'aller là-bas. Non, t'as pas le temps. Ah, si tu sors à ce moment-là, tellement ce sera tellement beau. Ah non. T'es où? T'es où? Allez. Le blanc pour le main game en fait, c'est bif bof, hein. L'autre porte. Ouais.